What's up tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News accompagné de la Miss Kiara qui a été attendue quand même par pas mal de personnes m'ont demandé de faire une vidéo avec la petite Miss, la Miss Kiara, la petite princesse. Donc d'ailleurs qui boit son coca tranquillement hein, sachant que normalement tu n'as pas le droit à cette heure là. Mais tout va bien d'ailleurs, on est seul à la maison et on va parler d'un petit sujet qui risque, à mon avis, ça va pas trop te plaire hein. Enfin vraiment qu'on élabore des sujets intéressants hein. Kiara, tu vas aimer ça cette vidéo ou non? Non. Tu veux partir? Non. Oh, tu touches le micro maintenant et tout. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Est-ce que tu sais, tu sais pas, tu sais pas trop? Je t'en avais un peu parlé comme la dernière fois, puis tout d'un coup tu t'es dit ah ouais, t'avais fait, ah oui c'était ça, c'était sur ça, sur ça, sur ça. Aujourd'hui en fait on va parler d'une entreprise qui travaille on va dire vraiment pour des particuliers, des gens voilà qui sont intéressés par des choses assez spécialisées dans certains domaines. Par exemple des casques Beats, des iPhones, des Mac, des trucs comme ça au niveau de la protection, au niveau de certains trucs comme ça. En fait c'est plus des gens, c'est vrai, assez aisés en fait qui vont contacter ce genre d'entreprise là parce qu'ils proposent vraiment du matériel, on va vraiment dire assez spécifique. Par exemple ça peut être de l'or, ça peut être des bijoux, des trucs comme ça, un peu comme tu sais maman qui a des bijoux, tu sais elle a des bagues, des trucs comme ça d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs l'autre jour je t'ai vu, tu piquais des bagues ou des trucs comme ça, non? Non, j'ai trouvé des colliers. T'as trouvé des colliers? Elle me les a donné. Elle te les a donné? Oui. Elle t'a donné des colliers? Oui. Tu es sûr de toi? Oui. D'ailleurs aujourd'hui qu'est-ce que t'as fait? Une petite parenthèse, t'as joué à la Wii. Je t'ai filé la Wii. Ouais. Une console que je jouais plus, donc t'as la Wii maintenant. Ouais, on va s'éclater sur la Wii. Tu vois encore? Oui, donc en fait on va revenir sur le sujet à laquelle voilà on parle donc ici par contre au niveau de jeux vidéo PS4 Xbox One avec une petite particularité où c'est-à-dire qu'on va retrouver ces manettes là sous une forme version plaquée or avec 24 carats. Voilà, c'est pas rien, c'est-à-dire en gros Kiara, en gros c'est-à-dire que la manette de PlayStation 4 en fait elle sera en or. Est-ce que tu sais ce que c'est l'or? Oui, ça brille. Ça brille, voilà, voilà, vous aurez une manette qui brille avec quand même une petite particularité d'avoir 24 carats, c'est-à-dire vraiment des bons bijoux, tu vois, qui coûtent, on va dire, ça coûte un peu la peau des fesses, qui seront disponibles carrément sur la manette. Alors pour l'instant, il n'y a que 25 manettes de chaque console qui sont disponibles. Après, c'est sur précommandation, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez commander une manette et tout, ils vont pouvoir vous mettre la manette, si vous voulez 20 carats. Apparemment il est possible de vraiment de spécialiser, enfin de choisir sa propre manette en fait. C'est quelque chose de customisable, donc vous pouvez exactement choisir. Sachant que le prix de la manette est assez excessif, bon bah c'est normal quelque part parce qu'on a de l'or et tout. Donc c'est 299$, soit 265€, ou on peut dire peut-être 250€, ça dépendra au niveau du marketing comment ils vont voilà vendre ces produits là. Mais c'est vrai que ça fait assez cher hein, hein, ça fait cher ou pas? Ou... Ouais. Ouais. Ça coûte la peau des fesses. Ouais, c'est bien ça. redis parce qu'ils ont pas entendu les gens derrière le micro. Ça coûte la peau des fesses. Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Ça vaut le coup? Oui. Mais tu te fous de moi ou... ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Non. Tu peux partir. Non. Tu peux partir. Non, tu vas manger pas. Des légumes tous non, les jours maintenant. Pas. Tu peux partir. Non, si, tu peux partir. Est-ce que ça vaut le coup, madame? Non. Voilà, redis-le là, plus près, là, pour qu'ils entendent. Non. Pourquoi? Parce que ça coûte la peau des fesses. Voilà, super, on a terminé la vidéo, les gens. Après, voilà, hein, si c'est votre avis, vous avez vos avis et tout. Toi, elle a son avis, moi j'ai mon avis. Après, bon, je l'ai un peu forcé pour l'avis. Mais bon, après, ça dépend des gens. Hein. Il y en a qui seront vachement intéressés et tout. Après, c'est sûr, si la personne a envie de mettre 300€ dans une manette au lieu de 60€, bah c'est son choix, mais ça coûte. Mais ça. C'est son choix, mais ça coûte un peu d'effet. C'est super bien, c'est super bien. Elle a dit c'est son choix, donc ça veut dire c'est la personne qui choisit. Bref, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Et bah alors toi le coca hein, tu le t'aimes bien, tu veux dire au revoir, dis au revoir. Tu dis au revoir les gens. Mais ne payez, n'achetez pas la manette, ça coûte la peau des fesses, vas-y. Payez pas la manette, ça coûte la peau des fesses. Voilà. Ravi de toujours faire des vidéos présentatives, c'est un réel plaisir. Peace out. Tu dis peace out? Peace out.
Bah super. Et ouais.